Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo, on va parler de repères et de changement de repère même. Donc quelques points de base déjà, un repère c'est la donnée d'une origine qu'on écrit donc entre parenthèses avec deux autres lettres. La première c'est l'origine comme je vous le disais et les deux autres dans l'ordre ce sont les points unitaires. I par exemple c'est le point unitaire de l'axe des abscisses et J le point unitaire de l'axe des ordonnées. On va reparler de repères orthonormés et de repères orthogonales et puis on va exprimer les coordonnées de points dans différents repères. N'hésitez pas à mettre sur pause, à travailler cet exercice et on en rediscute dans quelques instants. Allez, go! Donc on commence par considérer le repère OIJ, l'origine c'est donc OI. Et J les points unitaires et OJ c'est un repère qu'on appelle orthogonal. Pourquoi orthogonal? Parce qu'en fait les deux axes OI et OJ, donc entre parenthèses, sont des droites sont perpendiculaires et les longueurs OI et OJ, elles sont différentes. Donc on parle de repère orthogonal. Dans ce repère, le point A, ses coordonnées, attention à la graduation, c'est vraiment capital, 2 en abscisse, les pointillés pourquoi pas, et 1 en ordonnée. Donc attention vraiment aux graduations. Le point B, avant d'en parler, je vous répète que les points I, par définition, ont pour coordonnées 1, 0 et J, 0, 1. Le point B, ses coordonnées, c'est donc moins 1, un carreau à gauche, et puis moins 1,5, 3 carreaux vers le bas. Sachant que 2 carreaux, c'est une unité. Le point C, 2, 2, il est évidemment placé ici. Et le point D, moins 3, 0, sur l'axe des abscisses, 3 carreaux vers la gauche. C'est parti pour un autre repère maintenant. Le repère, il s'appelle AJC. J'ai déjà tracé les axes, donc attention, l'origine c'est A, mais on va vers la gauche. Donc regardez les sens de la flèche que j'ai placé, hein, et le point C vers le haut. Donc AIJ, c'est ce qu'on appelle un repère orthonormé. Pourquoi? Parce que les axes sont toujours perpendiculaires, donc attention à mettre les parenthèses. En revanche, cette fois-ci, on a AJ qui est égal à AC, donc orthonormé. Le ortho veut dire perpendiculaire. Donc par définition, les points A, le point A pour coordonnées 0, 0, le point J 1, 0 dans ce nouveau repère et le point C 0, 1. Qui dit changement de repère dit changement de coordonnées, donc j'ai changé les couleurs. Le point D, ses coordonnées précédentes c'était moins 3, 0, et bien maintenant, si je vais vers la gauche c'est donc positif, donc je compte par paquet de deux carreaux, hein, 1, 2, 2,5 et puis moins 1 vers le bas. Attention, l'abscisse est positive ici puisque la flèche va vers la gauche. Et le point E, moins 4, 0, moins 4, on va vers la droite dans les négatifs et on est sur l'axe des abscisses. Donc, il faut compter 8 carreaux, donc je sors légèrement de mon repère. C'est pas terrible, mais ça ira pour cet exercice. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à le partager, à le liker, à commenter si vous avez l'impression qu'il vous a aidé. Moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.